Si vous avez des troubles du sommeil, vous n'êtes pas seul. La moitié des Français se plaint de mal dormir. C'est la journée du sommeil aujourd'hui, l'occasion de parler d'un tout nouveau dispositif mis en place à la clinique de Flandre à Coudekerque-Branche. Le bilan diagnostic sommeil, une approche pluridisciplinaire pour soulager au mieux les pathologies liées au sommeil. Le docteur Rémi Lombard, spécialiste du sommeil à la clinique de Flandre. Lors de cette hospitalisation, on va d'abord faire le bilan des troubles du sommeil du patient, lui donner son diagnostic et lui proposer différents traitements. Donc là, s'il y a un surpoids, eh bien, du coup, il verra la diététicienne. On va également proposer de voir la psychologue ou pour l'anxiété ou pour la prise en charge de l'insomnie. On va également aussi avoir, dans le cadre de l'apnée du sommeil, des orthophonistes qui vont permettre de jeter un œil déjà dans la bouche des patients, parce que c'est là que ça se passe, l'apnée du sommeil. On s'appuie aussi sur des avis ORL pour certaines chirurgies si nécessaire. Tout ça, c'est à la carte en fonction des besoins de chacun. C'est de faire une prise en charge globale. Et l'idée, c'est de faire ça sur une matinée. Ça permet de diminuer les difficultés d'accès aux soins, parce que là, tous les praticiens sont là. Les difficultés financières d'accès aux soins, vu que c'est pris en charge par la clinique. Donc c'est, en théorie, bénéfique aux patients sur tous les plans, quoi.